Salam alaikum la famille, bonjour, bonsoir, selon le temps mes amours, la famille, bonsoir. Cette petite conseil c'est pour mes soeurs. Ma soeur, il faut comprendre tout, que les femmes, il y a l'âge du mariage. Tu as le temps de te marier, n'attends pas, le temps va te passer. Chaque fois toi tu montes et descends, tu es dans les nuits de boîte, chaque jour tu es par là, tu es par là. La femme n'est pas comme un homme. Une femme, ta beauté ne restera jamais avec ta beauté. Au moins que tu vas être toujours ta jeunesse là, chaque jour là. Chaque jour, il y a de nouveaux jours. Toujours, tu aurais toujours un demi, un peu va t'enlever de toi. Tu ne serais pas comme un nouveau-né, comme les enfants. C'est comme, voyez les enfants, la manière que les enfants se agrandissent. Nous aussi, c'est comme ça, ça s'enlève de nous. La beauté se diminue encore, c'est comme ça. Tu vas être toujours comme ça. Il faut comprendre aussi, mes soeurs, que l'âge là s'avance. Il faut comprendre aussi encore que toujours monter, descendre là. Non, il ne faut jamais laisser toujours. Quand tu sais tous les hommes qui vont venir avec toi, toi tu veux que l'homme qui a des voitures, toi tu veux que l'homme qui porte le cravate, toi tu veux que l'homme qui est toujours en classe. Ma soeur, le mariage, ce n'est pas ça. Pour être heureux au mariage, plus Dieu te donne un bon mari qui va être toi, pitié de toi, qui va connaître ta malheur, qui va connaître ta bonheur. Si tu gagnes cet homme-là, ta vie est toujours réalisée. Ce que tu vas faire, ça va faire. Mais quand tu veux l'homme qui se cravate là, l'homme qui a toujours de l'argent là, tu vas te marier avec cet homme-là. L'homme va te marier. Mais ma soeur, s'il n'y a pas le sentiment, il n'y a pas d'amour, l'amour là, ce n'est rien. Il va quitter là-bas vite. Alors qu'aujourd'hui, la femme, c'est la rêve de quoi? Toutes les femmes. Quand tu vas te marier, tu vas mourir là-bas. C'est le père qui va te faire sortir là-bas. C'est la rêve des femmes. C'est ça que toutes les femmes vivent. Mais toi, chaque jour, aujourd'hui, tu es avec ça aujourd'hui. Demain, avec ça aujourd'hui. Tu vas te divorcer avec beaucoup d'hommes. Ils ne vont pas te comprendre ce qui se casse. Ils vont dire, c'est toi. Tu es comme ça, tu es comme ça. Donc, mes soeurs, le temps du mariage, ça se passe. Le seul est que nous sommes comme ça aujourd'hui. Comprenez bien qu'au moment, il y a le temps qu'une femme doit avoir l'enfant. Il y a le temps que tu dois avoir ton bébé. Mais quand tu vas rester comme ça, l'organe là ne sont pas les mêmes. Tu vas rester jusqu'à 40 ans. Toi, toujours, tu cherches des hommes que tu veux, les hommes riches là. Donc, ma soeur, tu seras toujours de problème. Maintenant, tu vas être vieillie chez tes parents. Quand tu vas être vieillie chez tes parents maintenant, à quel moment toi, tu vas te marier? Quand est-ce toi, tu vas te marier? L'huile là qui est sur tes yeux là, que tu mets là, l'huile là qui est là, qui te fait toujours jolie là, te fait charmante là, ça va se défroicher. Si ça te défroiche, ma soeur, la vieille là, la vieillesse là, la femme là, c'est rapide. L'homme, on comprend bien. L'homme peut être 60 à 70 ans. Il n'est pas perdu de ne pas avoir enfant. Mais nous, les femmes, il y a le temps. Il y a le temps d'avoir. Il y a des femmes qui sont toujours rapidement d'avoir les ménopauses là. C'est rapide. Alors, vous savez bien, quand tu as le problème de ménopause là, ce n'est pas facile d'avoir l'évolution là. Donc, toi, tu ne connais pas si ça va s'arriver avec toi. Et toi, mais encore, tu ne sais pas. Au moins que tu étais en l'ambiance là, tu as fait beaucoup de choses dedans. Tout ça là va jouer avec toi. Donc, mes soeurs, qui sont toujours là, qui veulent toujours mettre des Brésiliens jusqu'à leurs fesses là, c'est seulement qu'ils ont dans leur tête là. Si maman parle là, on va donner à maman. Si papa parle là, on va donner à papa. Les parents qui vous voient comme ça là, les péchés qui vont là, ils ont toujours péché. Les parents ne vont pas avec vous. Hein. Ils ne vont pas sortir avec vous. Mais ils sont là, leur prière là. Ils veulent que leur prière là soit acceptée. Ils veulent qu'ils vont rentrer au paradis. Ils ne veulent pas rentrer l'enfer à cause de vous. Donc, pardonnez. Essayez de voir vos parents, pitié de vos parents, pour avoir le mariage. Pour toujours avoir, rester avec l'homme qui va vous marier. Il ne faut pas rester avec l'homme aujourd'hui. Tu es avec Pierre, tu es avec Paul. Toujours, toi, tu es nouveau blanc, tu es noir, tu es rouge. Ce n'est pas bon pour les femmes. Beaucoup de maladies sont sorties aujourd'hui, mes amours. Beaucoup aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à faire attention, tu vas tomber malade. Quand tu vas tomber malade, l'homme là va te laisser. Il va avoir d'autres femmes là. C'est toi qui vas être perdant dans ta vie. Tu aurais quoi? Ces maladies. Tu vas essayer de voir tout l'argent qui était. Tout va finir. Tu ne vas pas connaître aujourd'hui. Si tu as l'important, il faut avoir quelque chose de mauvais. Tu vas voir si les gens t'aiment ou si les gens t'aiment pas. Tout ce qui rit sur toi, ils montrent leurs dents là. Ce n'est pas vrai dents. Ils ne savent pas leurs vraies dents. D'après, tu quittes là. Tu sais ce qu'il y a du derrière toi. Tu sais ce qui prend le téléphone. Tu sais ce qu'il rencontre derrière toi. Donc, ma soeur, prends ta vie. Mets ta vie en sécurité. Fais tout. Tu vas chercher l'homme. Il ne faut pas chercher l'homme pour la beauté. Il ne faut pas chercher l'homme qui a de l'argent. Il ne faut pas chercher l'homme qui fait tout. Cherche l'homme qui a le cœur. Quand tu cherches l'homme qui a le cœur, l'homme qui pitié pour toi,
Tu as des problèmes, l'homme qui peut t'aider avec ça. Ma soeur, tu vas gagner. Mais aujourd'hui, nous sommes là d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Ils ne veulent pas les hommes qui ont fait le mécanique là. Ils ne veulent pas les hommes qui travaillent comme mécanique. Ils ne veulent pas les hommes là. Les hommes là qui sont toujours dans les menuiseries là, ils ne veulent pas ça. Ils veulent les hommes qui se cravatent. Les hommes qui sont à l'office là, qui sont au bureau. C'est les hommes là qui veulent. Mais ma soeur, faites attention. L'homme que tu vas durer là, office là, lui là, sa femme a beaucoup fait pour lui. Hein. Il a beaucoup fait pour lui. Donc, il faut faire attention. Même vous serez avec toi. La mère qui va te traiter là et sa femme, il y a une grande différence. Donc, mes soeurs, pardonnez. Cherchez à vous marier. L'homme qui va vous aider beaucoup, vous soutenir bien. C'est ça qui est plus important. Mais dans nos jours aujourd'hui, les femmes, vraiment, je n'arrive pas à comprendre, mes soeurs. Pardonnez. Laissez l'ambition là. Ça va passer. L'ambition là, ça n'est plus d'importance maintenant. Tu as beaucoup fait. Essaye de te mettre en place. N'oublie pas d'aimer ces vidéos, mes amours. N'oublie pas de partager la famille. Merci, mes amours. Merci, la famille.